travailler tout ça aux jeunes sur la solidarité. Donc, c'est pour protester. Donc, voilà, mesdames, messieurs, ces policiers qui passaient, qui crassaient du temps là, qui crassaient du temps là. Commissariat, ça c'est commissariat. Jean qu'a constaté, mesdames, messieurs, nous trouvons dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture. J'en ai regardé là, nous devant espace arrivé à côté situation et mouvement policier, yo même yo bloqué complètement. Et toute activité, ils ont paralysé toute activité qui a pu faire dans l'époque là. Que ce soit monde qui a voyagé, que ce soit monde qui a rentré tout, mais journée, jeudi 26 là, 26 janvier, ils ont eu grosse difficulté pour y entrer. Donc, j'en ai remarqué là, nous avons c'est rarement quelques monde qui a marché à pied, pas même une circulation presque dans l'époque là, à côté souvent, il y a un taxi toujours venu dans monde. Donc, situation lui-même extrêmement compliquée et paralysée. Dans le moment où on a parlé à cause du mouvement fantôme 509, côté, ils ont bloqué même machine qui passait sous route et porte là. Et nous avons remarqué là, mesdames, messieurs, les situations sont compliquées. Mais vol, même, ils n'ont pas qu'à faire. Pas un avion qui a entré, pas un avion qui a sauté tout. Donc, c'est une situation qui est extrêmement compliquée par rapport à mouvement levé campé policier. Ils ont entamé depuis bien bonnet. Et dans la rue Port-au-Prince, qui paralysait toute activité. Donc, nous avons apporté toute dernière information pour vous. Faites confiance. Toujours été connecté avec nous pour nous capables d'informer en temps réel. Pour lui paraître difficile, vous allez je dis. Donc, c'est conséquence mouvement des VKB policiers par rapport à 10 policiers dans moins qu'une semaine qui perdent la vie. On a rappelé gagner. 4 policiers qui mourent à Pétionville, mais il y a 6 autres qui mourent dans la Tibonite, spécialement la commune Liancourt. Donc c'est la police ça même qui mourent. Donc c'est bien malheureux. C'est ça qui débouché sur le mouvement levé campé policier qui m'a dit pour la police là, ou état-major, prendre responsabilité pour la sécurité et les moyens. Pour traquer, pour combattre le phénomène d'insécurité qui a tourné un fléau pour gangrener toute la société haïtienne. C'est bien malheureux. Donc, nous devons vivre, nous devons couper dans les portes. Nous devons vivre comment ça est et dans la journée 26 là, par rapport à la situation qui a développé dans le pays. Là. Ça c'est mon qui te brigue un vol. Je ne veux dire rien à l'époque là. Il n'y a pas qu'à voyager par rapport au mouvement de l'équipe. Donc l'époque là vraiment, vraiment difficile, situation compliquée là. Mettez balle là, vous avez.
l'aéroport Toussaint Louverture, madame monsieur Nabkat est là. L'aéroport pays a nous connaît. C'est plus gros aéroport pays a gagné, mais malheureusement, mouvement, levé campé policier, pratiquement bloqué toute activité dans l'aéroport là. Donc, nous n'avons pas de travail, vol de presque campé. Et pas de monde qui a voyagé. Donc, c'est une situation qui est compliquée là dans l'aéroport. Tout c'est l'ouverture. Donc, nous avons remarqué les employés qui campent, qui ne peuvent pas faire rien. Parce que pas de vol, pas de monde. Donc, qui a entré. Ça, c'est dans l'arrivée. C'est dans l'arrivée, nous y là. Donc, pas vraiment de monde qui a entré. Et si vous entrez côté pour passer, parce que tout route est bloqué, machine pas qu'à passer, c'est seulement moto et qui capon, qui camion, côté pour aller. Malgré ça, c'est avec un pile de difficulté parce que toute zone est net, est bloquée et situation lui-même est compliquée. Allez, Donc, nous avons tout ça aux jeunes sur la chaîne.